Cette série vous est offerte par Monogram, le lien qui vous rapproche. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Hertz, numéro 1 de la location de véhicules au Bénin. Savourez la fraîcheur et la pureté des eaux minérales FIFA en suivant Dis-moi qui est la plus belle. Précédemment dans Dis-moi qui est la plus belle. Donc quand tu aimes quelqu'un, c'est quoi, tu fais sa valise? Comme il est pressé. C'est arrivé à l'hôtel, j'ouvre ma valise, je la trouve Malik. Comme ça. Je t'appelle. Mais hi, elle t'a chassé. Non, c'est ça, je dis, non, je t'appelle. Gentiment, elle n'est qu'à partir avant que je il ne rentre. Il faut partir avant que je ne rentre. Franchement. Il a rien fait. Non, soyons sérieux. Quel que soit ce qu'il y a entre vous, je dis toujours aux femmes, même si vous avez vos querelles, ça n'a rien à voir dans tes devoirs et dans tes obligations et ses obligations. Vous pouvez vous chamailler jusqu'à il a insulté même ta mère. L'instant d'après, il dit, fais-moi ma valise là, c'est propre et nickel. Sinon, tu n'as pas ta place là, je suis désolée. Ou dis-lui, je ne veux pas le faire. Je valide. Et pas de préservatif. Donc moi, mettre un préservatif dans cette valise, c'est l'encourager à faire n'importe quoi. Vous êtes en train de lui dicter quoi faire en ne mettant pas le préservatif sur le tête? Absolument pas. Non, je ne lui dis rien du tout. Je reste neutre. Un préservatif serait plutôt lui dire, écoute, tu sais, tu peux aller le faire, mais vas-y, protège-toi. En ne le mettant pas, je ne lui dis rien du tout. Voilà. Je suis d'accord avec elle. D'accord avec mais en mettant le préservatif, c'est OK, je ne me mêle pas de ta vie, mais s'il te plaît, sauve la nôtre. Ah ben non, c'est non. Après l'épreuve des tâches ménagères, le duo de tête se confirme avec une indéboulonnable grâce, talonnée de près par merveille. Mais la surprise de l'épisode précédent a été Yusra, qui après maintes efforts, a enfin pu grimper sur le podium, poussant Sharon à la quatrième place, devant Soliat, Carmelia, Nazifat, Chioma, Chandra, Audrey, Vanessa et Leila. Bonjour, connaissez-vous le célèbre jeu Action-Vérité? Eh bien, pour vous ce soir, ce sera Action et Vérité face au miroir. Vous pouvez refuser dès le départ ou en cours de route de participer au jeu en achetant un malus. Dans ce cas, votre note pour cette épreuve sera 10 sur 20 et vous pourrez continuer la compétition. Si par contre vous choisissez de jouer Action et Vérité face au miroir, vous vous engagez à répondre sans mentir à toutes les questions que vous posera le miroir et à poser tous les actes qu'il vous demandera. Attention, le miroir fera des investigations pour vérifier vos dires et vos actes. En cas de mensonge, vous êtes immédiatement disqualifié pour la suite de la compétition. Alors, que choisissez-vous? Un malus ou le jeu? Par cette annonce déconcertante, le miroir propose à nos Amazones une exploration publique de leur moi intérieur. Alors qu'aucune d'elles n'était préparée à une telle situation, elles acceptent toutes de jouer le jeu, à l'exception notable de Sharon qui prend ainsi le risque de se laisser distancer par les autres dans la compétition. Après réflexion, j'ai finalement décidé d'utiliser le malus sur cette épreuve. C'est mon dernier choix. Sharon aura donc 10 sur 20 pour cette épreuve. Les 11 autres candidates n'ont à ce moment aucune idée du genre de questions que leur posera le miroir. Bravo si vous avez choisi le jeu. Maintenant, vous devrez jurer de dire la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Je jure de dire rien que la vérité et toute la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Je le jure.
Ici fut signé le pacte qui plongera 11 jeunes belles femmes africaines dans une redoutable partie de cache-cache avec un miroir vicieux et retors décidé à mesurer leur beauté intérieure. Le résultat de la confrontation, c'est juste après la publicité. Hello everybody, my name is Kojo Hunike and I'm from Togo. I just want to let you guys know that in addition to my live English coaching for African Francophones, I now offer pre-recorded courses as well. And this option targets three categories of people. Number one, people who are so busy, it's nearly impossible for them to align their availabilities with my live classes. Number two, people with unreliable internet access that prevents them from taking my 1 hour live coaching without experiencing multiple technical issues. And finally, people who simply cannot financially afford my live coaching. All right, so how does it work? You get 2 to 3 recordings a week, depending on the pack that you choose. And these are recordings of my actual live classes, so you're getting fresh new materials every single week. And to top it off, I'll include you in your classmates' respective WhatsApp group so that you can see the information that we share there during our live classes. All right, so now you have zero excuse. You don't have the time, you don't have the money, you don't have good internet connection. I took care of all these issues for you with my pre-recorded options, all right? So if you are an African Francophone looking to learn how to speak English fluently and confidently with the option of having an American accent, simply head over to my website at kojoe.com, fill out the consultation form, and I'll revert back to you ASAP, all right? I'll talk to you soon. Bye. Chaque matin peut être un défi, mais à tout moment, vous êtes là pour donner joie et confiance à ceux que vous aimez. Et quand le jour s'achève et vous vous sentez plus fort, demain sera un jour meilleur. C'est aussi ça l'Afrique. Monogramme, le lien qui vous rapproche. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off. Who are we? When this world got you down on your knees. Tu crois que tu peux prendre ce qui m'appartient et que je viendrai pas le chercher? Non, je m'y attendais. Et je me suis préparée. These people aren't just rich, they're crazy rich. You really should have told me that you're like the Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Il faut que ce soit vous. My God! Can we get down? Qu'est-ce que tu as fait? Allez, c'est parti. Je sais ce que je dois faire. Je vais leur voler Noël. Tout va disparaître. Vous connaissez Miami? Non. Vous allez adorer. Pour la sixième épreuve, c'est à une proposition presque indécente que doivent faire face chacune de nos belles. L'épreuve beauté intérieure, une innovation de cette deuxième saison, a pris tout le monde de coup. Mais 11 candidates sur 12 auront décidé de faire le jeu malgré tout. Lousra. Vous avez failli ne pas participer à l'épreuve, tous les atouts. Mais vous avez été sauvé de justesse par votre coach styliste, Jennifer.
Pumba, je t'aime. Je t'adore, t'es un amour. Elle est la meilleure en fait. La meilleure, je l'adore. Pour votre sixième épreuve, le miroir vous demande de dire de Jennifer une grosse méchanceté. N'importe laquelle. Une méchanceté que vous ne pourrez plus retirer et que vous ne devrez jamais démentir. Ok. D'accord. Je prends le malus. Oui, certaine. Aucun point ne mérite cette méchanceté-là. Je vais rien dire de mal sur elle. Non. Oui. Super. Non. Super. À déchoquant Yousra, je lui ai donné la note de 16 sur 20 parce que son commentaire m'a touché. Elle a dit que rien ne vaut l'amitié. Et oui, c'est vrai. À déchoquant Yousra, moi, je lui ai donné 18 parce que elle sait ce que c'est que l'amitié. À déchoquant Yousra, 17. À déchoquant Yousra, 15. Audrey, choisissez une personne avec qui vous êtes en froid en ce moment et racontez-nous votre différend avec cette personne. C'est mon copain. En fait, moi, j'aime pas faire des efforts pour rien, en fait. J'aime pas vraiment. Parce que je suis quelqu'un de très, très, très renfermé. Et quand j'aime vraiment, je fais beaucoup d'efforts. Du coup, quand je fais des efforts et qu'on reconnaît pas moi, ça me choque énormément, même si c'est pas quelque chose que je montre. C'est quelque chose qui me choque énormément. Tout avait bien commencé, on s'entendait très bien. Ça allait super bien. Jusqu'au jour où, voilà, il est allé à une soirée et il est revenu. Et puis bon, il a complètement changé. Je ne l'ai pas reconnu. Il ne m'écrivait plus. Il fallait que moi, je lui écrive pour qu'il me réponde. Et voilà, moi j'ai remarqué le truc. Mais bon, je faisais quand même des efforts. Je lui écrivais. Et il a tellement changé à un point où il a commencé à très mal me parler. Je lui ai reproché ça, une fois, deux fois, une troisième fois. C'était toujours pareil, donc moi, ça me frustrait carrément, quoi. Donc, je restais un peu dans mon coin et j'essayais parfois de ne pas lui écrire pour voir s'il allait le faire, mais finalement, il ne le faisait pas. Et j'étais toujours obligée de revenir, de revenir, de revenir. Donc, j'ai décidé de ne plus insister, quoi, parce que je n'aime pas être un poids pour les gens. Voilà. Donc, comme ça, pour le moment, c'est vraiment froid. Je ne sais pas si ça va s'arranger, mais je ne compte pas insister. Voilà. J'ai donc pris mes distances. Le miroir souhaite que vous parliez à cette personne et que vous lui demandiez pardon pour vos actes de ces derniers temps. Il faudra être très convaincante. Le jury appréciera votre sincérité et votre capacité à obtenir le pardon, bien que vous ne pensiez pas être en faute. Le ferez-vous ou choisirez-vous un malus pour arrêter l'épreuve ? Je décide de l'appeler et de faire comme le miroir dit, de demander pardon. Allô? Je vais bien, et toi? Ok, on peut discuter. Donc voilà, j'ai réfléchi, voilà. J'ai vu que de toute l'histoire, c'était moi qui avais tort et tout. Et je voulais m'excuser, en fait. Je veux te demander pardon pour ce que j'ai eu à faire et te demander de revenir avec moi. Donc voilà. Excuse d'accepter. Ça va, t'as oublié. D'accord. Merci beaucoup. Tu te portes bien. Ça va, ça va. Ok, ta journée. Très bien. Et la tienne? Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous. Bravo Audrey. Hola. Hola, 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 hola. Merci beaucoup. Viens que je te fasse un câlin. Je te fais un câlin. Non, vraiment. Viens, ma belle. Oh. C'est pas donné à tout le monde. Tu avais été super forte. Je te félicite vraiment. Et beaucoup de courage à toi.
et moi. J'ai un petit verset biblique pour toi après. Il reviendra. Merci. Barbosa Audrey, c'est celle qui a failli même me faire pleurer. Je lui ai donné le plafond parce que oui, elle est courageuse d'abord, elle est loyale et puis elle est juste elle. Je lui ai donné 20 sur 20. Barbosa Audrey, moi je lui ai donné la note de 19 à cause de son humilité. Exactement comme mon collègue Malik, humilité, et je lui ai donné 20 parce que c'est une valeur très 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 rare de nos jours. Alors Barbosa Audrey, je lui ai donné aussi 20. Carmélia, quel est le nom et le numéro de téléphone de votre meilleur ami? La personne qui sait la plupart des choses de vous. 97. La question du miroir va être simple. N'oubliez pas que vous avez le droit d'utiliser un malus à n'importe quel moment pour qu'on arrête tout. Vous êtes mariée, Carmélia, et vous avez deux enfants. Avez-vous déjà trompé votre conjoint? Depuis que je suis avec mon homme, je ne l'ai pas encore trompé. Et vous êtes avec votre homme depuis combien d'années? Depuis 7 ans déjà. 7 ans de ménage ou 7 ans d'amitié? Non, 7 ans de ménage. Le temps d'amitié, je peux avoir une idée là-dessus? Le temps d'amitié, il a été un peu trop court, je dirais 1 an. D'accord. Okay. Donc, en somme, ça fait 8 ans que vous le connaissez? Oui. 8 ans. Si on se connaît en une année... Fidélité absolue. Oui. Ah, félicitations. C'est beau, je l'ai déjà posé. Merci, Mira. Merci. Chaud d'aton Carmélia, je pense qu'elle a eu l'épreuve la plus facile. Je lui ai quand même donné 15 sur 20. Chaud d'aton Carmélia, moi je lui ai donné la note de 17. Carmélia chaud d'aton 14. Alors chaud d'aton Carmélia 13. Leïla, voici la question du miroir. Leïla, si vous remportez cette compétition, le miroir vous offre soit 1 million de francs CFA et vous en faites ce que vous voulez, soit 10 millions de francs CFA qui seront versés à une association d'aide aux enfants handicapés, aux enfants abandonnés et aux enfants malades. Dans ce cas, vous ne verrez pas un franc, vous. Mais vous aurez aidé des milliers d'enfants en situation difficile. Votre réponse décidera de ce que nous ferons effectivement lorsque vous gagnez cette compétition. Quelle option choisissez-vous? Je donnerai les 10 millions que j'aurai gagnés à cette compétition, aux enfants abandonnés. Je fais ce choix parce que déjà, je pense que je gagnerai en expérience ici. Et les 10 millions pourraient aider ces enfants qui sont perdus, handicapés. Je pense qu'ils en ont plus besoin que moi. Donc, tout ce que vous aurez gagné, c'est à verser à l'association caritative. À 2000%. Merci. Bonne journée. Pour sa générosité, Fall Leïla aura récolté 15 sur 20. Fall Leïla, de mon côté, c'est 17. Fall Leïla, 15. Pareil pour moi, Fall Leïla, 15. Soliad, le miroir vous demande pour gagner des points supplémentaires d'enlever votre voile jusqu'à la fin de la compétition. Je prends le malus. Je ne peux pas. C'est ma religion après tout et c'est moi-même. Donc, je prends la malus. Je ne peux pas. Je ne peux pas à cause des points. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ido Soliat, c'est la 6e candidate. Elle a demandé à faire usage de son malus, mais parce qu'elle tient à la religion, je lui donne 14 sur 20. Alors, Ido Soliat,
pour sa, son attachement à sa religion et à l'alliance qu'elle a avec son Dieu, moi, je lui ai donné la note de 18. Ideo Soliat, la crainte de Dieu plutôt que celle des hommes, 17. Ideo Soliat, 15. Nazifat, ce que vous direz au cours de cette émission sera rigoureusement appliqué. La cagnotte à distribuer aux gagnantes de cette compétition est de 3 millions de francs CFA à peu près. Mais nous venons juste d'apprendre que l'une de vos concurrentes est très malade et a besoin de cette somme pour se faire opérer de toute urgence. Serez-vous d'accord, vous Nazifat, pour quitter la compétition à cette étape afin de nous permettre de lui venir en aide? Je vais être clair, votre désistement n'entraîne pas forcément celui des autres. Mais si vous acceptez de quitter la compétition, vous aurez aidé votre concurrente à peut-être sauver sa vie. Nazifat, quelle est votre décision? J'ai choisi délibérément de quitter cette émission pour aider une autre candidate. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle va ranger ses affaires juste après là? J'en suis consciente. D'accord. Une autre question. Et si la candidate malade choisit de continuer la compétition avant d'aller se faire soigner, qu'est-ce qu'elle en pense? Je maintiens ma réponse. Et vous faites vos valises en même temps. Ok. C'est dommage, hein? Au revoir. Au revoir, Nazifat. Corico Nazifat, candidate numéro 7, pour sa générosité et son esprit d'équipe, je lui ai donné 13 sur 20. Nazifat, de mon côté, c'est 17. Corico Nazifat, 14. Nazifat, 13. Chandra, laquelle des autres candidates aimez-vous le plus? Sharon. Le miroir souhaite exclure définitivement votre amie Sharon de la compétition. Mais un joker pourrait la sauver. Pour qu'elle reste dans la compétition, il faut qu'une autre candidate lui offre un joker en perdant elle-même 5 points. Si vous dites non, le miroir posera la même question à la candidate suivante jusqu'à la dernière. Si personne ne lui offre son joker, Sharon quittera définitivement le jeu. Ah non, moi je ne veux pas lui offrir mes points, absolument pas. Est-ce votre dernier mot, Chandra? Sharon va réellement quitter la compétition dès aujourd'hui si vous ne lui donnez pas ce joker? Je ne veux pas qu'elle quitte la compétition, mais je ne peux pas lui donner mes points non plus. Ah, je ne sais même pas combien de points j'ai eu. Je voudrais insister sur le fait qu'elle n'offre pas le joker, ça veut dire que si quelqu'un d'autre ne lui donne pas son joker, Sharon part réellement. Oui, c'est réel. C'est ça, on vous disait. Le miroir dit, ce n'est pas un jeu. D'accord, je donne. Pardon? Je donne les 5 points, je donne le joker. Je n'ai pas entendu. Je lui donne le joker. C'est ma dernière décision, je lui donne le joker. Oui, je perds 5 points. Justement, Aimée ne demande pas une contrepartie. J'avoue que j'ai été un peu déçue par la réponse finale de Kouzekpa Chandra. Du coup, je lui ai donné 12 sur 20. Kouzekpa Chandra, moi, je lui ai donné plutôt 15 sur 20. Kouzekpa Chandra, 15. Chandra, 13. Seriez-vous disposé à offrir un organe pour sauver une vie en cas de nécessité? À qui l'offririez-vous en priorité si votre mère, votre conjoint et votre fils en avaient tous besoin en même temps? Réfléchissez bien.
répondez à la question. Justifiez votre réponse en sachant que votre mère, votre conjoint et votre fils regardent probablement cette émission. Si je devais l'offrir à l'un d'entre les trois, je l'offrirais plutôt à mon fils. Parce que c'est la chair de ma chair. Je ne pourrais pas supporter de le voir partir. Ma mère, j'ai passé du temps avec elle, je l'aime beaucoup, je l'adore. Mais elle a fait son temps, j'ai eu à passer énormément de temps avec elle. Ce sera difficile, ça va être très dur, mais je pense que ce sera mon fils. Ce sera mon fils. Mon conjoint, oui, pour le meilleur et pour le pire. Mais on sait comment ça se passe généralement dans les couples. Donc, je vais pas miser ma vie entièrement sur lui. Parce que rien ne prouve que lui ferait pareil pour moi. Et donc, mon fils, je sais qu'il aura un amour inconditionnel pour moi. Peu importe ce qui se passe. Le conjoint, il peut partir à tout moment. Je peux lui donner mon organe pour lui sauver la vie et dès qu'il va se rétablir, il va se barrer. Donc, non. Je pourrais pas. C'est mon fils, c'est mon fils. Elle choisit de donner l'organe à son fils. Est-ce qu'elle a conscience que rien ne prouve que même en ayant l'organe, que l'enfant reste, l'enfant puisse vivre? C'est pas évident, ça fait un. Deuxièmement, un enfant, ce n'est pas votre propriété, donc sa loyauté est en griffe. Est-ce qu'elle en a conscience? Vous avez conscience que, en fait, c'est vrai, vous sauvez la vie de votre fils, mais il ne vous doit pas la vie. Et qu'en réalité, un enfant, c'est Dieu qui donne et vous êtes juste une gardienne. Si, bien sûr. Et qu'il est libre de choisir sa vie, il ne vous doit pas la vie. Si, bien sûr. J'en ai pleinement confiance. C'est pas parce que je choisis de lui donner cet organe que forcément il m'est redevable. Je le fais par rapport à l'amour que je lui porte. C'est ce que je ressens, en fait. Et l'amour juré pendant le mariage, les deux feront une même chair. Ma moitié, je sais pas, la Bible dit quoi? Chair de ma chair, os de... qu'est-ce que ça vaut? Les deux deviennent un. Ça veut dire qu'en fait, quand vous étiez en train de jurer pour le meilleur et pour le pire, là, c'était sous réserve que si, entre toi et mon fils, mon choix est fait avant toi, quoi. Non. OK. C'était pas sous cette réserve-là, mais... Je parle par rapport... Je sais pas... par rapport à mon expérience personnelle, oui. Les hommes, j'ai plus beaucoup confiance en eux. Donc, Mais si vous n'avez pas confiance en l'homme, pourquoi vous vous mariez avec lui? Pourquoi je me marie? Pour le moment, je ne saurais. Je ne sais pas si je le ferai. Pour le moment, je ne sais pas si je le ferai. Donc, grâce, ma question, c'est quoi? Supposons que A, cet enfant à qui vous offrez le rein, votre organe, il est récalcitrant. B, c'est un enfant qui est affectueux, que vous aimez par-dessus tout et qui vous aime en retour. Est-ce que votre réponse reste toujours valable? Oui, parce que c'est mon enfant. D'accord. Peu importe la façon dont il est, c'est mon enfant. Ce n'est pas son caractère, sa façon d'être qui définit l'amour que je lui donne. Mais savez qu'il y a des familles où l'enfant, c'est celui-là qui t'amène même des voleurs du dehors, qui vient braquer ton coffre-fort à la maison. Tu ne peux pas oublier ton porte-monnaie. Voilà. C'est lui qui te met toute la complication et c'est tout le temps la bagarre. Ton choix reste on est le tout même. Le temps en train de chercher sa clé. Dans... Si tu as un enfant comme ça qui, tout le temps, c'est-à-dire en 6 mois, c'est qu'il a passé 3 mois en prison et il reste chez toi 1 mois et il est reparti. Si c'était un enfant comme ça, vous allez toujours. Alors que votre mari est là, toujours solide. Après, et la maman aussi, est il a là. Besoin et il a la capacité de vous faire procréer encore entre le mari. Et ce fils et cette mère qui vous qui a porté, qui a accepté oui. de garder votre grossesse pendant 9 mois, qui vous a gardé, vous a fait grandir jusqu'à cet âge, avant que vous ne puissiez avoir un enfant. Le choix entre la mère, celle qui vous a donné la vie, le monsieur, celui à qui vous avez attaché votre vie, avec lui vous faites un, et le fils qui vous emmène à pépette, quoi. La réponse reste la même. Franchement, oui. Vous êtes sûr que c'est honnête? C'est très sincère. Franchement, c'est vraiment sincère. Je ne sais pas comment développer, comment vous l'expliquer, mais ce n'est pas parce qu'il est devenu ce qu'il est que je vais cesser de l'aimer. C'est mon enfant. J'aurais beau être en colère contre lui. J'aurais beau être triste.
Mais c'est mon bébé, quoi. On ne vous dit pas de cesser de l'aimer, mais c'est un gros sacrifice. Oui, mais c'est... Parce qu'elle explique. Elle ne peut pas laisser mourir son enfant. D'accord. Merci, Grace. Je vous en prie. Pourquoi Grace, 16 sur 20, parce qu'une mère, oui, elle est prête à tout pour son enfant. Grace, je lui ai donné la note de 16 également. Grace, 14. Tu fais pareil que Malik, 16 pour Grace. Merveille. Jusqu'où iriez-vous pour devenir riche? Se prostituer, par exemple, trahir un ami, mentir à un proche? Moi, déjà, je ne suis pas matérialiste. Donc, je ne me vois pas, par exemple, taper dos ou bien fausser quelqu'un que j'aime ou que j'apprécie pour de l'argent ou pour devenir riche. Je ne le ferai pas. C'est pas moi. Donc, je mets les limites. Je m'arrête à ce qui est... À ce qui est honnête. J'aime pas la malhonnêteté déjà. J'aime pas le mensonge. C'est pas moi. Vous n'avez pas répondu. C'est pas la réponse. Jusqu'où seriez-vous prête à aller pour acquérir de la richesse? Pas ce que vous n'allez pas faire, mais qu'est-ce que vous sentez capable? Quelle est la limite, justement? Quelle est cette... Ah, Seigneur. Au raisonnable, je ne ferai pas n'importe quoi. Limite raisonnable. Je donne un exemple, oui. La prostitution. Non. Je donne un autre exemple. Mais non, en fait, c'est elle qui doit déterminer quelle part sa richesse. Il faut vraiment, jusqu'où il faut vraiment donner une limite, en fait. Non, pas de corruption, pas de prostitution. Donc, vous allez vous contenter d'un salaire de base de 57 000 pendant des années et... Vos camarades sont là où, à la fin du mois, ben, ils ont 2 millions en plus, ils s'achètent de belles caisses et puis bon, c'est vous la godine, quoi. Déjà, à la base, je suis une débrouillarde. Ma mère m'a appris à me débrouiller. Si mon travail, le métier que j'ai choisi, ne me donne pas ce que je dois avoir, je me dirigerai tout simplement vers le commerce. Elle me répète toujours, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. J'ai ma réponse. Ça, j'appliquerai. Allons un tout petit peu plus loin. Supposons que vous commercialisez un produit qui, s'il était dédouané normalement, vous reviendrait plus cher que vos concurrents. Accepteriez-vous de corrompre des agents de douane pour faire passer vos marchandises à faible coût? Non, parce que maman m'a donné l'exemple. C'est une commerçante. Et elle m'amène toujours avec elle. Elle fait ses papiers. Elle est en règle et tout. Elle suit le processus normal. Je compte faire pareil. Parce qu'une femme qui corrompt, c'est pas... pour moi, c'est pas bien. Ça... Une autre question. Toujours, vous êtes commerçante à la douane. C'est-à-dire, vous achetez votre marchandise pendant que c'est une période de solde. Oui. Normalement, le produit se vend à 80 francs. Vous l'avez acheté à 45 francs. Vous faites la douane normalement, comme vous le dites si bien, comme votre mère vous l'a appris, normal. Mais sur le marché, ceux qui ont acheté à 80 francs, plus douane le vendent à 150 francs. Oui. Vous allez le vendre à combien? À 150 francs comme les autres, ou bien vous allez... je ne sais pas. Vous allez le vendre à combien? Excusez-moi, vous pouvez répéter. Ok, j'explique. C'est-à-dire que vous avez acheté votre marchandise pendant une période de solde. Oui. Et le produit qui valait 80 francs, vous l'avez acheté à 45 francs. Oui. Mais vous avez payé la douane normalement, papier à jour, réglo, comme tout le monde. Oui. Vous arrivez sur le marché, vos autres concurrentes, le seul produit peut-être à 120 francs. Et vous alors, vous allez vendre ce produit à 120 francs comme vos autres concurrentes? Non, parce que si je vais écouler mon marchandise, je mettrai le prix raisonnable, par exemple 100 francs. Ça me permettra de vite écouler et de récupérer mon argent, de le lancer dans autre chose. Mentir, ça dépend de la situation. J'ai menti pour voler, non. J'ai gardé la même caisse. Même pas 100 francs de moment qui traînait sur la table? Non, chez nous, tu peux déposer ton argent là, tu vas faire des jours, tu reviens, tu trouveras. Parce qu'à la base, c'est une famille chrétienne, on a une maman fervente qui nous a appris depuis toute petite à être honnête. Et ensuite,
J'ai gardé des sommes immenses d'argent, mais j'ai jamais eu l'idée de voler. J'ai gardé la caisse des étudiants de mon école. J'ai jamais pris dedans. J'ai rendu les comptes haut les mains. À merveille, la candidate numéro 10. Je donne 14 sur 20 et je ne fais pas de commentaire. Ah oui, à merveille, moi j'ai plutôt donné la note de 16. Je suis le plus généreux. Hein? Mm-hmm. Merveille, 15. Merveille, 14. Pour l'épreuve, tous les atouts. Le coup de main de Carmélia a été salutaire pour sauver la mise. Carmélia, je t'aime beaucoup. Merci, merci. Tu m'as sauvé ma vie pour cette épreuve. Merci. Il se trouve aujourd'hui que Carmélia est dans une situation délicate. Elle a commis une erreur grave lors de son passage sur cette épreuve et pourra quitter la compétition dans les heures qui viennent. Sauf si vous, Chioma, vous lui offriez 5 points. En clair, si vous décidez d'offrir 5 points à Carmélia, elle reste en compétition. Mais vous, vous perdez 5 points sur le total de vos notes. Que décidez-vous? Je l'offre. Je lui offre ces 5 points. Parce que vous perdez quand même 5 points. Et vous êtes en compétition. Vous maintenez votre réponse? Oui, j'offre 5 points à Carmélia. À cause d'elle, j'aurais pas trouvé la robe parce que je savais que mes derniers sous, ça sera pas suffisant pour entrer dans une grande boutique pour payer ça. Peut-être la robe, ça coûterait 25 000, 30 000, 35 000, quelque chose comme ça. Mais comme l'argent que j'avais pour payer cette robe-là, ça a été au moins, ça a été suffisant pour la robe. Elle m'avait aidé, je cherchais ça depuis, mais grâce à elle, j'ai pu trouver et j'ai pu faire me défiler, quoi. Oui, j'accepte de perdre 5 points en faveur de Carmélia. Chioma, candidate numéro 11. Reconnaissance et gratitude. Très, très important également. Je lui ai donné 15 sur 20. Chioma, moi, je lui ai donné la note de 17. Chioma, 15. Pareil pour moi, Chioma, 15. Vanessa, 11 autres candidates vous ont précédé sur cette chaise et ont eu le choix de vous enlever des points ou pas. 3 d'entre elles l'ont fait. Chacune des 3 vous a amputé de 5 points. Vous avez donc perdu 15 points au total. Mais le miroir ne vous dit pas qui vous les a enlevés. Vous avez à votre tour le même joker et vous ne savez pas qui vous a enlevé des points. Vous avez le droit d'utiliser votre joker contre 3 personnes. Si vous l'utilisez, on leur enlève 5 points chacune. Pouvez-vous deviner qui sont ces 3 personnes qui vous en veulent assez pour vous enlever des points? Voulez-vous utiliser votre joker contre une de vos concurrentes? Attention, si vous vous trompez, vous pourriez couper des points à quelqu'un qui vous en a donné. Que décidez-vous? Ok. On doit choisir une personne. Vous avez la possibilité d'enlever 100 points à quelqu'un si vous le voulez ou on vous fait le moins 15 et puis vous choisissez de ne pas le faire. En fait, c'est votre décision de l'enlever à quelqu'un ou pas. Mais déjà à vous, on en fait moins 15. J'enlève 5 points à Grâce. Pourquoi Grâce? Vous avez eu un différend? Non. Mais pourquoi? Non. Parce que c'est, vous avez dit Grâce 2 fois, sinon 3 fois. C'est juste celle qui me fait un peu plus peur. Dans la compétition. Ok, ok, ok. Là, je comprends mieux.
Là, je comprends mieux. Yeah. D'accord. Ouais. D'accord. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Ouais. Il faut tout faire pour jouer. Je pensais que c'était méchant. La candidate qui a plus de chances dans sa tête, c'est l'autre. Uh-huh. Il faut là, pour qu'elle gagne. Ouais. Elle est en beauté intérieure. Ça, je voulais la massacrer, mais la tuer. J'étais partie même pour lui donner 8 sur 20, mais finalement, je lui ai donné 17 sur 20 parce qu'elle est venue pour gagner et elle est compétitrice jusqu'au bout. Voilà. On est dans un jeu, on est venu pour jouer. Et donc, s'il faut éliminer les obstacles, il faut les éliminer. Pour cela, moi, j'ai donné 17 à Vanessa. Malheureusement ou heureusement, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Compétition, d'accord, mais l'homme reste l'homme. Il faut respecter son prochain. C'est Dieu qui s'occupe de vous enlever vos ennemis de votre chemin. Oh. Et donc, elle n'avait pas massacré. C'est de continuer sa route et Dieu s'occupe de ses ennemis. Je lui ai donné 12. C'est le jeu. Je lui ai donné 12. Même si c'est dans le jeu, ça reste la vie réelle. Si vous avez pris l'habitude de massacrer dans le jeu, vous allez massacrer dans la vie réelle. Et où allons-nous? On va finir à la guerre. On est en train de parler de Dieu, Dieu, mais est-ce que vous avez déjà entendu ceci? Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu as un chemin à faire. Tu as quelque chose à faire pour atteindre ton objectif. En venant dans ce jeu, il y a un objectif que tu t'es fixé. Sois logique. D'accord. Sois logique et d'accord. Dieu te pousse. Je suis Dieu d'accord. Te pas poussera. C'est pas par méchanceté. Mais il y a un objectif. Ce n'est pas du tout de la méchanceté. Je suis d'accord. Mais je trouve que c'est vrai, c'est le jeu. C'est vrai qu'il y a une compétition. Je me donne tous les atouts possibles pour pouvoir exceller et je ne m'occupe pas des autres. Je n'aime pas le jeu de je tire l'autre en bas pour que je puisse monter, mais non, je. Une fois encore, je vais vous citer la Bible, j'aime bien le faire. Ma Bible dit oui. Tes ennemis te serviront de marche-pied. Exactement. Ce qui veut dire qu'ils te serviront d'échelle pour monter. Donc, tu n'as pas besoin de les pousser au fond, mais c'est de les monter l'un sur l'autre pour pouvoir monter plus haut. Quand tu les pousses en bas, tu restes au même niveau. Moi, j'ai envie de grandir. Je n'ai pas envie de rester au même niveau. Je suis tout à fait d'accord. Bon, et la Bible même dit la foi sans les œuvres. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Il faut faire travailler quelque chose. Travailler ne veut pas dire tuer l'autre. Non, elle n'a tué personne. Elle n'a tué personne. C'est une stratégie qui n'est pas méchante. C'est une stratégie qui n'est pas méchante. Elle fait ce qu'elle doit faire pour gagner. Elle ne tue pas. Elle n'a pas été méchante. On est en compétition. Ben elle aurait dit, parce que j'ai eu un différend avec l'autre, je vais que je l'aurais massacré. Mais elle a dit non, parce que je trouve que c'est la candidate qui m'effraie le plus. Dangereuse. Non, voilà. Pour moi, c'est alors, OK. Alors, vous, Vanessa, celle qui ne met pas tout le monde d'accord. Vas-y. Moi, personnellement, j'ai aimé le fait qu'elle soit stratège. Alors, Vanessa, je lui ai mis un 17. Allez. Voilà. Désolée, Eddie. Ah. Je t'aime. Moi aussi. Donc, je suis avec tout le monde. Je t'aime aussi. Confrontées à des situations inédites, nos 12 Amazones ont montré chacune à sa façon une facette de sa beauté intérieure. On fait un petit récap des notes du jury après la publicité. Je m'appelle Corinne Beaupin et je suis styliste béninoise. Je fais des créations femmes, hommes et enfants. Je suis de nature aventurière. L'idée était d'utiliser le traditionnel, mais en le modernisant et en faisant des tenues très modernes, très actuelles. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off. Who are we?
And this world got you down on your knees. Tu crois que tu peux prendre ce qui m'appartient et que je viendrai pas le chercher? Non, je m'y attendais. Et je m'y suis préparée. These people aren't just rich, they're crazy rich. You really should have told me that you're like the Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Il faut que ce soit vous. Tu me quittes donc ! Qu'est-ce que tu as fait ? Allez, c'est parti ! Je sais ce que je dois faire. Je vais leur voler Noël. Tout va disparaître. Bouge pas ! Vous connaissez Miami ? Non. Vous allez adorer. Parce que l'esthétique est une passion, un art et une profession. Offrez-vous une chance de compter parmi les meilleurs en vous inscrivant à l'École d'esthétique Malik D, affiliée à la Fédération internationale de l'esthétique cosmétique. Pour plus de renseignements, contactez-nous. Vous n'avez pas le temps à perdre et vous aimez ce qui est beau. Collection qui vous comprend le mieux. Nouvelle collection by Eddy Ceci. Séduit par le courage et l'humilité de la belle Audrey, le jury lui donne 79 points, soit la plus forte note pour l'épreuve beauté intérieure. Mais il a aussi craqué pour la loyauté de Yusra qu'il classe deuxième avec 66 points. Juste devant Soliat, Vanessa, Leila, Grace, Chioma, Carmelia, Merveille, Nazifat et Chandra. Sharon, qui a jeté l'éponge sur cette épreuve, ne repartira qu'avec 40 points et tiendra pour une fois la lanterne rouge. Classement général, Grace continue de tenir fermement sa couronne avec 375 points. Désormais talonné par Yusra qui fait une remontée spectaculaire à la deuxième place avec 354 points. Merveille reste une fois encore sur le podium avec 351 points. Directement menacé par Soliat, 4e avec 338 points et Carmelia, 5e avec 332 points. Nazifat continue sa progression et se classe désormais 6e, tout comme Audrey qui se relève de son cuisant échec lors de l'épreuve tâches ménagères. Sharon redescend à la 8e place, Chioma à la 9e, suivi de Chandra, Vanessa et Leila. Plus que 4 épreuves désormais pour boucler cette compétition inédite. Mais 4 épreuves qui peuvent encore tout bouleverser dans la Villa des Amazones. Pour tout voir et pour tout savoir, rendez-vous samedi prochain à la même heure et sur les mêmes fréquences. Alors, pour vous, qui est la plus belle cette année ? Yusra ? Audrey ? Sharon ? Carmelia, Leila, Soliat, Nazifat, Chandra, Grace, Merveille, Chioma ou Vanessa. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant par WhatsApp son nom ou son numéro de passage au plus 229 69 27 71 77.
Cette série vous a été offerte par MoneyGram, le lien qui vous rapproche.